pour aujourd'hui, on a un très joli roadster japonais à te présenter. Donc comme tu peux le voir, la 350Z, mais assez rare sur la phase 3, parce que phase 3 c'est les modèles les plus rares. En 313 chevaux d'origine, celle-ci est montée en stage 2+. Donc on va préciser un peu la petite préparation qu'il y a sur ce joli prix. Donc il y a des disques à l'avant que Brice a fait changer, il a fait mettre des EBC, donc rainurés mais pointés, hein. On voit qu'ils sont pas, c'est pas percé. Donc on va dire que sur le long terme, il garde plus la performance qu'un percé. Il a les plaquettes qui vont avec. À l'arrière, il a laissé pour l'instant d'origine. Bon, ça freine plutôt correct, hein. Comme on peut voir, ceux de l'arrière sont presque aussi gros que ceux de l'avant, mais... Je pense que la grosse différence, c'est surtout le simple piston. À l'avant, il y a du double. Il y a des combinés fités Tine aussi dessus. Hein. Ouais. Rabaissé de Ben, dis-moi. 3 cm. 3 cm. Donc, rabaissé de 3 cm. C'est vrai que ça lui donne un joli arrière-train. Il manque juste quatre petites cales de déport et on est pas mal. Voilà. Pense. Avec un très joli 4-back InGen, sorti donc en titane. La voiture est décata. Il n'y a plus rien, quoi. Une complète plus des katas. En stage 2+, elle tire 328 chevaux pour pratiquement 400 Nm. Ça libère quand même pas mal le 3,5 litres. Bon, d'origine, bon, 313, elle les tirait pas. Je pense qu'elle devait faire aux alentours de 300. 294. Ça, c'est quand Brice a des katas, il a perdu de la puissance. Ouais. Donc il est descendu à 294 chevaux et quand il a fait le remap, ça a permis de reprendre les chevaux. Et il a pratiquement autant de puissance qu'un 370Z stock. Hein. A savoir sur la phase 3, la grosse différence qu'il y a par rapport à la phase 1 en 280 et la phase 2 en 300, c'est la biadmission. Et le bloc, hein, c'est pas le même. Et le bloc de la 350Z phase 3, il y a 80% du bloc qu'ils ont pris de celle-ci pour fabriquer le bloc de la 370Z. Du coup, le bloc là se rapproche plus de ce. Voilà, il y a une architecture plus, ouais, du 370 que du 350 à la base. Exactement. Phase 1 ou phase 2. Après, voilà la grosse différence, quoi. Bon, le 3,7 litres, hein, il y a 200 cm3 de plus dans le 370, et puis après, bon, l'esthétique est un peu plus... Après, niveau de sonorité, plus affirmé. Ça change rien non plus, je crois, hein. C'est à peu près la même chose. En sonorité, non, au son, tu feras pas la différence, je pense, d'un 370 avec un 350, ça fait à peu près le même bruit. Ça fait un bruit bien rauque, quoi, le V6 3,5 litres, il est bien présent. Bon, Ben, on va faire un petit tour d'intérieur. On va passer à l'intérieur directement. Après, bon, la couleur, un beau noir. Alors, cuir alzan. Je vais me mettre dedans. Vas-y, Ben, on voit le téléphone. Hop là. Donc, intérieur cuir alzan. Comme vous pouvez voir, il est encore très propre. Moi, j'aime bien les roadsters parce qu'à l'arrière, bon, ça fait un peu... Ça fait plus sportif, quoi. Il y a la barre, on peut voir la barre anti-rapprochement... de derrière. Après, bon, c'est une japonaise de 2008, mais là, il y a un petit compartiment, je crois. Un petit compartiment. Il y avait encore le... On peut encore voir qu'il y a encore le lecteur cassette. Le lecteur, ça, c'est cassette, bon. Ouais, bon, c'est bien qu'il ait laissé d'origine, mais c'est vrai qu'en 2008, sachant que les Japonais étaient les premiers à mettre sur le marché les CD-ROM avec Sony, etc., et je sais pas pourquoi, bon, enfin, après ça, c'était... C'est comme ça à l'époque. Bon, elle est dans son jus, ça va. C'est... Bon, le volant de la 350Z, hein, normal, avec... Bon, il y avait déjà pas mal d'options, tu vois, pour l'époque. Tu pouvais t'as le téléphone, etc. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ce qui est intéressant aussi, c'est les... Tu vois, les manos. D'origine, incrustés dans le tableau, ouais, de bord. Hein. Ils sont incrustés dans le tableau de bord, et en plus, ils sont... je sais pas si tu peux voir, mais... Regarde, là, je suis en passager. Ouais. Regarde, vers le conducteur. Ils sont vers le conducteur, quoi. Ça donne un effet plutôt... Je pense que c'est intéressant. Avec le Z dessus. Le rappel, donc Z sur l'aération. Ouais, c'est pas mal. Voilà, donc l'aération passe par la portière et arrive. Attends, je vais fermer. Allez. Voilà. Et ressort dans la poignée de porte, quoi. C'est plutôt pas mal. Pour l'époque, moi j'aime bien. J'aime bien ces roadsters. Après, c'était la concurrente directe. Bon, les puristes diront que oui et que non. Mais voilà, pour 2008, c'était une voiture qui pouvait concurrencer, enfin, les Porsche Cayman, quoi. Plutôt Boxster. Bon, après, le châssis d'origine est un peu trop mou. Donc, c'est pour ça que Brice a décidé de rigidifier tout ça en mettant des combinés filetés.
Bon, on va faire un petit démarrage et puis après on passera directement à l'essai routier. Qu'est-ce que vous en pensez, les gars? Par contre, il a aussi supprimé le... Ah. L'essuie-glace arrière, parce que ça faisait pas très très beau d'origine. Je vois qu'il nous a bouché ça, il nous a enlevé ça. Voilà. Petit démarrage. Petit démarrage. Petit coup de gaz. Ah, c'est vraiment... Très joli son. Ah ouais, c'est pas un bruit, c'est un son, tu vois. Un vrai sissi, hein. Bon, l'ami, après ce petit coup de gaz, on va directement aller au compartiment moteur. Comme tu peux le voir, ce magnifique 3,5 litres. Donc le V6 3,5 litres, il est bien présent, il prend de la place. Après, on voit clairement que, bon, ben voilà, Renault Nissan, quoi, Hitachi. Comme Brice a pu me montrer tout à l'heure. Mais ouais, beau petit moteur, quoi. Compartiment assez propre. Que dire de plus, hein? Avec la barre, avec la petite barre d'origine. Pas dire jeune. Après, bon. Puis on peut voir aussi la double admis, quoi. Clac, clac. Puis alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire sur ce moteur, hein? On est pas mal, hein? Il est d'origine, quoi. Bon, bah écoute, on se dit à tout de suite pour l'essai routier. Allez, tchuss. Bon, nous voilà, les amis, pour l'essai routier du 350Z de Brice. On va y aller doucement parce que là il y a les chevaux. Une première impression à l'intérieur, on entend bien le son du 4-back. Voilà, le V6 il est présent. Avec les. C'est vrai, quand on a filmé l'intérieur, on n'a pas montré, mais il y a les manomètres au centre. C'est plutôt pas mal, je trouve. En plus, incliné vers le conducteur. Pilote. Le pilote, quoi. Ça roule correctement. C'est vrai que d'origine ça faisait pas. D'origine ça fait aucun bruit. Ouais, c'est vrai que c'est vachement aseptisé d'origine. T'entends pas grand chose. Fallait libérer un peu tout ça. Ouais, je vois ça. Bah, de toute façon, t'as des katas donc à mon avis. Ça joue beaucoup aussi. Parce que les katas je les ai pas vus mais ils devaient être assez costauds, non? Ils sont assez énormes. Ouais, je pense. Du coup, t'as fait faire ça par un pro? T'as fait ça toi? Non, personnellement. Perso? Et pour parler un peu tarot au niveau de la ligne, ça t'a coûté à peu près combien le 4-back? Alors la ligne, le 4-back seul, a coûté 1 600 €, si je dis pas de bêtises. C'est un titane? C'est extrémité en titane uniquement. Ok. Sinon le reste c'est inox. Full inox. Ok. Bon. Les décatas, eux, c'était beaucoup moins cher. Bon, bah ça va alors. On est sur 150-200 € pour les deux décatas. Ok. Et le stage, du coup, tu l'as fait faire chez Performance Luxembourg. Hein. Exactement. La base, quoi. En suivant les bons conseils de Valentin. Hop là. C'est vrai que j'apprécie vraiment le 3,5 litres de chez Nissan. Ça fait déjà une paire de temps que je regarde un peu. Bah, ça reste assez souple, toujours. Ouais. Et bah, nerveux quand il le faut, quoi. Ouais, ça prend des tours, quoi, à partir, je pense, d'un certain nombre de tours, une fois qu'il charge bien. Voilà, exactement. T'envoies la pâtée, quoi. Ouais, c'est un moteur appréciable. Après, les 377, je sais pas s'ils les produisent toujours. S'ils les font toujours. Si, c'est toujours d'activité, ouais, quoi. Ok. Il n'y a pas encore de relève là-dessus. Ouais, mais là, Nissan, ils ont vraiment fait quelque chose de bien, quoi. C'est vrai que c'est assez souple, même la boîte de vitesse, je vois que là ça ouais, passe plutôt ça... bien. Tout à l'heure on a un peu joué avec le pommeau là, avec Val. C'est vrai que c'est un peu en mode sport, quoi, je veux dire, pour rentrer la vitesse, t'as pas un grand débattement, quoi. T'as un verrouillage très précis des vitesses. Voilà. Fermer un peu la fenêtre, Brice, parce que là, à mon avis, si tu veux accélérer, ouais, sur le micro même qu'il y a le... Allez, c'est parti, mon kiki. Ah, ça tracte. Ouais, c'est bon. Ça tracte. Ouais, c'est bon, ça. Ah, j'aime bien l'atmo, moi. Moi, je suis un peu
inconditionnel de la plume quoi. Dans, je préfère les moteurs atmosphériques au turbo, dans le sens où je trouve que c'est plus agréable à rouler quoi. Exactement. Mais un peu plus précis et voilà. Ouais, prévisible on va dire. C'est ça. Mais après bon ça c'est du goût de chacun. Mais c'est vrai que ça chante bien. C'est bien présent dans l'habitacle toujours. Ouais, mais c'est pas excessif, hein, ça. Il y a un bon son, mais si je compare un peu, bon c'est pas la même autorisation, mais à la Mustang qu'on a présenté avec le Japart dessus, mais il avait pas. Il me semblait pas qu'il y avait des Decata, c'était juste un 4-pack avec suppression centrale, donc avec un H-pipe, ils ont enlevé les silencieux centrales aussi, pas centraux, pardon. Et ouais, ça fait quand même un peu moins de bruit, c'est plus supportable quoi. Okay. La Mustang, elle fait un très joli bruit, mais. Attention. Bien vite des agréments. Ouais. T'as vite les tympans qui prennent feu. Donc là, ça reste quand même rauque dans l'habitacle, ça va quoi. Plus à haut régime qu'à bas régime. À bas régime, j'ai un bourdonnement assez présent. C'est vrai. Je le mets à 2000 tours. Et... Ah ouais, là on l'entend bien, effectivement. Je sais pas si c'est dans le micro tu vas l'entendre, mais nous on l'entend bien quoi. Bah, ça fait quand même plaisir de libérer un moteur comme ça quoi, de laisser full stock. Bon. Il y en a qui aiment, hein, après voilà, hein, mais autant le libérer quoi. Exactement. Il doit faire les choses bien. Après, tu as mis des suspensions dessus, tu disais des combinés filetés. Exactement. Et ben, je trouve qu'elle n'est pas si tape que ça en fait. Non, ben, ils ont été réglés assez souples quand même. Ouais, ça va, hein, franchement. Après, J'ai 16 niveaux de réglage de dureté dessus. Ouais, quand même. Là, je suis en intermédiaire. D'accord. Donc, pour que ça reste confortable. Ok, pour que ça reste supportable quoi. C'est un véhicule que je roule quand même assez souvent. On va dire. Mais d'origine, la suspension est bien trop souple. Ouais, elle était très molle, là. Ça, je sais, là, tu me l'avais déjà dit. C'est presque dangereux. Ouais. C'est vraiment, franchement, je suis quand même impressionné. Je pensais pas qu'il y avait autant de bruit dans la. Le 4-pack, je pensais pas que ça avait autant de bruit, mais bon, avec le Decata, on sent que là, ça envoie du pâté. Quoi. C'est totalement libéré, on va dire, avec les collecteurs qui sont d'origine, quand même. D'accord. Mais un peu compliqué à changer ce genre de véhicule. Ah, tu voulais monter quoi? Des collecteurs inox ou titane pour... Des collecteurs inox, il faut sortir le bloc. Le bloc. Ah, c'est vrai qu'on a ouvert, il n'y a pas beaucoup de place. Hein. Voilà. Le V6, ils l'ont carré dans la Z, mais bon. Ferait beaucoup de travail pour très peu de gains. Ouais, je pense pas, tu peux. Ouais. Je sais pas comment tu pourrais gagner peut-être 5-10 chevaux, peut-être. Oui, voilà. Comme ça quoi. Gagner un peu en sonorité, peut-être encore. Ouais. Après bon sur les atmos t'es vite à fond. Après il y en a qui jouent sur les arbacams aussi, sur l'ouverture des soupapes, etc. Tu peux encore gratter un peu, mais bon là t'es déjà pas mal, hein, 330 chevaux quasiment, c'est largement voilà. Pour l'utilisation que j'en fais. Voilà exactement. C'est plus pour tu utilises quoi pour cruiser le week-end tranquille. Oui voilà, c'est ouais. Surtout ça. Il n'y a pas d'utilisation circuit intensive on va dire. Je pense que là ouais, là, tu fatigues vite ta caisse, hein, le circuit exactement. Ça fatigue les voitures. Hein. Tu fatigues les freins très vite, tu fatigues le châssis, le moteur. Bon, quoique le moteur il prend bien, celui-là il supporte quand même. Il encaisse bien. Mais là, il encaisse bien le 3.8.5. Ouais. C'est un moteur fiable, juste pour parler à l'ami. Quoi. Écoute, j'ai jamais trop entendu de soucis à propos de ces blocs-là. La boîte de vitesse aussi, assez résistante. D'accord. Juste les embrayages un peu fragiles, il me semble, là-dessus. Ok. Bon, c'est vrai que la boîte de vitesse manuelle elle est quand même mieux que la auto. Quoi. La boîte auto, je sais que c'était un peu. C'est pâteau. Un peu lent au niveau du passage des rapports. Ouais. Un peu pâteau sur le Z quoi. Là t'approches des perfs d'une 370 quoi. Bah t'es même pareil. C'est oui, quoi voilà, 328 je crois et 331. 331 là, 370. Ouais. C'est vrai qu'on passe pas inaperçu quoi. Genre de bolide. Hop là. Eh ben écoute, moi je trouve que c'est plutôt pas mal pour aujourd'hui. Je pense qu'on en a fini pour le petit tour en 350Z. Bon l'ami, si la vidéo t'a plu, un pouce bleu, n'hésite pas à t'abonner.
si tu as des questions sur le 350Z, je peux toujours demander à Brice pour t'aiguiller pour telle ou telle modification sur ton bolide ou si tu comptes acquérir ce genre de roadster. Quoi d'autre? C'est à peu près tout. Hein. Je crois bien. On est bien. Bah écoute, hein, à plus pour de nouvelles aventures sur Cherry Hill. Tchuss. Ciao.